up in the sky. It's a bird. It's a plane. No, it's SupermanHomepage.com, the number one Superman fan site in the world. SupermanHomepage.com, covering the world of Superman from the 1930s to today. News, reviews, rumors, and reports. SupermanHomepage.com for all your Superman comics, TV shows, movies, cartoons, radio shows, and more. Everything you ever wanted to know about the Man of Steel and more. SupermanHomepage.com. Thanks, Superman Homepage, for all the support over the years. I really appreciate it. I'm Matt Ballmer. It's the voice of Superman and Superman Unbound, and this is the Superman Homepage. Right here on Superman Homepage. Salut YouTube, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle première séance. Je regarde des films totalement cultes que je n'ai absolument pas vus. Alors c'est parti. Ah oh ah 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 oh ouh mmh. Ah oh putain. Ah oh, je déteste ça. Ah j'ai la chair de poule. Putain, il y a tout qui coule, le nez, les yeux, le cul là. À l'époque, il y avait des sacrés foufounes, hein. J'ai l'impression que c'est pas un grand budget. Ah putain, c'est bien fait, hein. Ah, c'est mal fait. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Mon Dieu, c'est pourri. C'est bien foutu. Bla, 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 bla. Voilà, très bon film. Bon, ça y est, c'est fini. Voilà, merci. Au revoir, c'est fini. Abonnez-vous à cette chaîne. Je suis le lieutenant Morpheus, au cas où vous l'ignoreriez. Vous avez été choisi parce que vous êtes une bande de minables. Vous êtes la section F. F comme fumier. Quand je dis « Hé, les fumiers !», vous savez que je parle de vous. Je suis le référent de ce putain de patelin de minables et je peux vous le garantir, vous allez me détester jusqu'à la fin de vos jours. Vous pensez savoir, mais vous ne savez rien. Vous racontez que de la merde. C'est pour ça qu'on va parler de Superman. Allez, messieurs, dégagez. Faut pas rester là. Il sévit sur la chaîne Kikologie Comics. Rédacteur en chef du site planetsuperman.fr, spécialiste DC, auteur de comics, on l'appelle le MILF Hunter de Kandor. Alors, planquez vos mamans, il arrive, Captain Morpheus. Captain Morpheus. Hey, salut les enculux, ça faisait longtemps et je me suis dit, tiens, si je ne le fais pas ce soir, je ne le ferai pas avant longtemps, le prochain live. Donc j'ai dit, tiens... Ah là, il y a eu beaucoup de choses, hein. Comme vous savez, les semaines de TGS, c'est très actif avant et c'est beaucoup de repos après. Sauf que moi, j'ai pas de repos, je suis un enculux et forcément, quand t'as pas de repos, eh ben, t'as pas le temps de faire des lives ou t'as pas la foi de faire des lives.
Donc voilà, bonsoir, bonsoir jeunes gens, bonsoir la communauté. Bon, on est en petite communauté là, on est en petit after, voilà. Magnifique l'épée derrière Cap. Ah oui, l'œil de Tondera, l'épée des présages. Ah, je vois, c'est la vision par-delà la vision. Ah, et oui, frérot, la vision par-delà la vision, voilà. Ah, bon, donc c'est ça. Oh, mais c'est Cobra, tout à fait. Tantan. Joe Gillian, exactement. C'est le même, c'est le maillot de la statuette qui est en bas, là. Ah, c'est ça. C'est la statue, voilà. Je peux jouer. Pas mal de t-shirts, l'équipe Z dans Cobra. Tout à fait. Bah, vous avez les refs, hein, c'est bien les jeunes. Moi, j'ai mis ce t-shirt aujourd'hui, personne n'a calculé à la maison. Allez, tout le monde s'en fout, hein, on va dire les choses comme ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit teaser, hein? Est-ce que vous avez vu ce petit teaser là pour la bande dessinée là, pour ceux, hein, si vous savez pas de quoi je parle, c'est le petit teaser qu'il y avait juste avant que j'arrive. Ah ouais, ouais, j'aime bien. Il y a des choses qui se préparent, des surprises, hein, pour le. Voilà. Harrison Ford pourra jouer Mumra sans CGI dans le live action de Titan. C'est vrai qu'il n'y aura pas besoin de beaucoup de maquillage. Le gris, un peu de gris, un peu de, voilà, hein, un petit peu de gris, un petit peu de, tu sais, il laisse les cheveux pousser, un petit peu banglette et on est bien, hein, on est bien. Ah oui, ça sent le, bah, c'est fait exprès, frérot. C'est très snyderien. Ça annonce des choses. Hein. Puis vous avez vu, Roger, directement, on a des scènes avec Roger en direct. Hein. Hein, ça annonce des petits trucs. Je dis rien parce que voilà, le TGS en... alors, c'est pas l'IA, Corridjo, pour le coup. C'était vraiment Roger, pour de vrai. Là, voilà. Peut-être les premières images, ouais, elles sont générées par IA. Mais tout le reste, c'est du vrai. C'est du ouais, tu vois, maintenant on sait plus, les mecs. On sait plus, hein, t'as vu, on sait plus. Je le remets. On va essayer de voir, on va voir. Vous allez me dire c'est quoi qui est IA, c'est quoi qui est pas IA. C'est le petit jeu. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi qui est IA, c'est quoi qui est pas IA là-dedans, hein, hein, c'est quoi alors, hein, ouais, ça fait très Snyder, avec la petite musique là, ah, la petite chanteuse là, stylée, California Dreaming, voilà, pensez juste California Dreaming, il y a quoi en Californie, il y a quoi, ok, le rêve californien, c'est quoi, je dis rien, je dis pas plus. Mais vous verrez, il y a des surprises qui s'en viennent. Et donc voilà, donc ma petite récapitulative du TGS. Bon, j'ai encore craqué, hein, l'entreprise. Je vais avoir des actions à l'entreprise Tsume, j'ai l'impression. Bon, l'avantage là, c'est que j'ai pu avoir directement mon Shiryu, donc ça c'est un gros avantage. 24 heures, c'était livré à la maison, frère. C'est impressionnant. Voilà. Bon, après c'est un petit TGS Montpellier par rapport à Toulouse. On n'est même pas sur la moitié, on doit être sur un quart de ce qu'il y a à Toulouse. C'est tout petit. La fin de la séquence, c'est de l'IA. Non. Ce qu'il y a en IA, c'est les premières images avec les planètes et quand on arrive sur le... En fait, c'est dans le comics, ça s'appelle l'Amanti. Alors, j'ai eu de la chance parce que c'est, en fait, ce sont des skins qui sont directement dans Wondershare. C'est-à-dire, tu vois, tu ouvres le logiciel, tout le monde le peut l'utiliser, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est des skins. C'est pas de l'IA. L'IA, non.
Juste l'image de départ, les deux, trois images de départ où il y a la pyramide et tout, là, c'est de l'IA. Tout le reste, c'est du skin. Ouais. Et après, Roger, c'est des vraies images. Roger Snipes, c'est des vraies images. Il manque un petit Chunray qui prie. Les Daco qui méditent. Ouais, pourquoi pas, Baron, c'est une bonne idée. California, premier gisement de terre rare des États-Unis. Lui, dans un magazine récemment. Bon, ça n'a rien à voir. Salut, Mark McLovin. Comment ça va? Comment ça va? Il y a des oranges en Californie. Tout à fait, Andrea. Il y a Hollywood en Californie. Il y a Bollywood. Mais bon, on n'en est pas là. Allez, je vais faire un petit tour de chat et après, je vous raconte ce qui s'est passé au TGS parce qu'il s'est passé plein de dingueries. Baron Harkonnen, bonsoir. Garage, Edwige, comment vas-tu? Correjou, comment il va le Correjou? Ça va bien. Il y aura Correjou dans le chat. Cyril, oh mon Cyril, comment tu vas, frérot? Comment ça va dans le 66? Ça va bien. Bonsoir, mon capitaine, beaucoup. Merci beaucoup d'être fan de Superman. Pourquoi, frérot? Je sais pas, mais merci à toi. Alexis de Prado, comment vas-tu, mon Prado Forever? Ça y est, bon, t'as toujours ce con de... Ah, je l'aimais bien quand il faisait du foot, Pascal Pro. Bon, après, je l'aime bien quand il s'énerve aussi. Je kiffe, moi. Je kiffe, il dit les bails, hein, Pascal Pro. Bon, il y a toujours un petit fond de... Bon, je vais pas dire de racisme, mais il y a un petit fond de droitard. Tu vois, dans son délire. Hein, c'est un petit fond droitard quand même, chez Pascal Pro. C'est pour ça que moi, je ne me politise pas, parce qu'effectivement, le problème, c'est que tu vois, le problème de la politique, c'est que tu peux avoir des combats légitimes, mais l'idéologie politique vient tout gâcher, quoi. On est d'accord que Thaïs Descuffon, on lui mettrait tous quelque chose dans le fond, quoi. Hein, mais ces idéologies politiques font qu'on n'ira pas là. Sauf pour lui montrer c'est quoi un Mamadur. Mais à part ça, bon, Thaïs, voilà, on va la laisser où elle est dans son délire. Hein. Voilà, c'est ce que je disais à Papacito aussi. Hein. Je disais, bon, Hugo, y a des choses que tu dis qui sont vraies. Par contre, l'arrière-goût... parce que vous devez savoir que ce gars-là n'est pas raciste, mais pas pour un sou. Mais voilà, c'est un souverainiste royaliste. Donc, il pense comme au Moyen-Âge un peu. Si tu veux, le type, à un moment donné, il n'a pas tout développé dans l'évolution de l'être humain. Et voilà. Mais c'est moi, sur tout ce qui est le masculinisme, sur tout ce qui est bon, la testo, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est quand ça vient voilà, à l'immigration et tout comme ça, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que lui-même est fils d'immigré espagnol. Il a épousé une Congolaise. Je veux dire, il n'y a rien qui va, quoi. T'es pas cohérent à un moment donné, ben en tout cas voilà, c'est comme ça. Mon Andrea, j'espère qu'il va bien. Baron lui a dit bonsoir. Nicodémus, vous savez qui dit Nicodémus, bien sûr, le jingle Nicodémus, ça fait longtemps qu'on l'a pas mis. Téléphone de lapin, il est super neuf. Oui, téléphone de lapin, il est là le Nicodémus, et oui. Voilà, tiens, petite remarque de Baron Harkonnen. Je sais pourquoi les lives diminuent un peu partout en ce moment. Un Marvel Deadpool et un DC Joker sur un an contre trois d'habitude et zéro Star Wars. C'est vrai que c'est pas plus mal. Hein. Est-ce que moi, j'ai l'impression que ça va vous faire du bien, ces pauses-là. Je pense que vous commenciez à être saturés, les gens. Vous n'étiez plus capable d'apprécier les œuvres, que ce soit positivement ou négativement. Vous étiez devenus des sales salopes du marketing. On va dire les trucs, on va dire les bails, les mecs. Hein, des petites putes du marketing. Et moi, voilà. Et moi, et regardez, moi, je suis pas tombé dans le panneau comme vous. Je suis pas un enculé. Là, je suis en train de me faire Dune. Hein, j'avais pas vu. Je regarde Joker. J'avais pas vu Joker non plus. Je trouve le film très beau jusqu'à présent. C'est poignant. Je l'ai pas regardé en entier. Ah, je crois qu'on m'appelle. Non, c'est sur Snap. C'est une discussion Snap. Dune aussi, j'ai pas vu le 2 du coup, hein, puisque là je ne regarde que le 1. J'essaye d'être en décalage. Je pense que le seul film où je vais être à jour, c'est Superman. Voilà. Tout le reste, là, pendant un an, je vais tout me refaire en décalage. Pour pas être, tu sais, un peu. Comment dirais-je, jeune gens?
pour ne pas être influencé, voilà, par les hypes diverses et variées. Voilà, hein, je me détache de tout ça. Je suis un peu en décalage même sur l'actu. Hein. Moi, j'ai dit au gars de Superman, ne faites pas de l'actu pour faire de l'actu. Là, il y a eu le Cinécon, c'est ça ? Où ils ont parlé du truc, où ils ont mis le logo. Ça y est, ça faisait des lives de 3 heures parce que Kevin Feige, pas Kevin Feige, n'importe quoi. Peter Safran a sorti un logo qu'on avait eu, qu'on savait déjà que ça allait être ce logo depuis les premières photos de James Gunn du costume de Superman, enfin du S. Donc, c'est quoi l'intérêt de faire des lives de 2 heures là-dessus ? C'est l'officialisation. Franchement, vous n'avez rien à dire dans vos lives. Hein. Les autres youtubeurs là, je vous le dis, hein, non, je sais pas, faites du contenu, faut vraiment rien avoir à faire, mais je suis d'accord avec toi Baron, et je pense que ça va faire du bien à tout le monde, mon Baron. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Oh mais c'est Cobra, ouais, magnifique, ouais, et elle est très lourde l'épée Thundera, c'est une vraie, donc je l'ai pas aiguisée, mais elle est équilibrée et tout, j'étais surpris, ils sont allés jusqu'à l'équilibration de l'épée. J'ai dû sortir un pour qu'elle colle au mur. Donc j'ai l'autre côté, je ne l'ai pas collé en fait, je ne l'ai pas mis. Il y a un signe, mais il est à plat. Et ça, c'est ce que tu rajoutes en plus pour avoir l'effet du dessin animé. Mais je l'ai mis que d'un côté, parce que sinon elle ne colle plus sur le mur. Donc voilà. Donc voilà, l'épée de Thundera. Ça sent le Snyder. Ouais, je kiffe. Hors sujet, tu es sport de combat, Cap, à maté, à la TV. Ouais, j'ai pris DAZN, là, il n'y a pas longtemps. J'ai pris DAZN et je me suis fait arnaquer, puisque l'autre, il avait une écharpe dans le pied. Et l'autre combat, il s'est tellement fait laminer en peu de temps que voilà. Mais ouais, j'ai eu ma période sport de combat, les tout débuts de l'UFC, le K1 à l'époque, avec Jérôme Le Banner. Tu vois, je kiffais ça. Mais voilà. Voilà, maintenant, le MMA, tout ça, bon. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de combats. Désolé, les gars, quelle heure il est ? Ouais, 2h. À 2h30, faites-moi penser d'avaler mon shaker. Sinon, moi, je suis en jeûne après de 2h30 jusqu'à 18h30 demain. Donc, faites-moi penser que j'oublie pas que j'avale mes dernières protéines. Le biberon du soir. Donc voilà, ouais, non, j'ai eu ma période sport de combat. Voilà, bon, ça m'a passé. Je suis moins à fond. Je ne l'ai pas vu, remets-le, s'il te plaît. Ta femme pense quoi de tes figurines ? Rien du tout. Alors là, alors s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas quelque chose à dire, avec toutes les conneries qu'il fout dans la maison, non, mes figurines, voilà, ça c'est mon espace. Personne ne rentre là. Voilà. Voilà. Donc, ouais. Ouais. Tu l'as toujours pas vu ? Est-ce que tu as vu le deuxième passage, McLovin, ou toujours pas ? Je le repasserai après. Ça va bien, Captain, merci pour les petites vidéos du TGS de Montpellier. Ben ouais, c'était cool, hein ? Voilà, le gars s'est métissé. Tu penses un jour en faire un dessin animé ou un film ? Ah, non. Vous voyez, ceci n'est pas un objet sexuel. Ceci est fait pour masser mes trapèzes de fils de pute. Est-ce que t'entends le bruit que ça fait ou quoi ? Eh, mais ça fait... Eh, les gars, prenez-vous un truc comme ça. Je te jure, ça fait un bien. California love, California, no time to party. California, no time to party. In the city of L.A. In the city of ghetto Watts. In the city of Compton, you're keeping it rocking. Même pas besoin d'autotune. T'imagines, je prends mon masseur et je te fais du vocodeur. Moi. Je te fais du talkbox, exactement. Oh, tu t'éteins ? Voilà, ferme ta gueule. Ouais. Il y a des projets, les gars. Il y a des projets. Calme-toi. Comptoir d'ici crash sur Gunn et Superman à chaque live. Bon, on va dire, mais c'est parce qu'il est influencé. Il est influencé. On va pas se mentir. Il est gentil. Mais bon, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Point barre. Ça va s'arrêter là.
Je dis ça vraiment avec toute la gentillesse du monde. J'ai rien contre Comptoir d'ici. Mais bon, voilà, il faut essayer, tant que faire se peut, de garder une certaine liberté de pensée. Après, il n'est pas hypé du tout par le truc. Il a le droit. C'est plus sain de ne pas être hypé, de voir le truc et te dire « Ah, ben finalement, c'était bien », que d'être hypé comme un fils de pute. Le truc est nul, mais tu continues de dire que c'est bien. Qu'est-ce qui est le plus sain, Alexis ? Hein ? Et secoue la protéine. Ça, c'est la Isolate de Ayolab. Goût. Qu'est-ce qu'il mange, Mark Sherman Hunter, déjà, les gâteaux, là ? Oreo. Oh, c'est un dessert, le bordel. Moi, d'habitude, les protéines, je les avale, je me pince le nez pour ne pas vomir. Celle-là, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Cosmocat extraterrestre. Cosmocat, c'est vous. Cosmo, ouais. C'est ça. Cap. Tu es pas devin, mais honnêtement, tu le sens bien le fil. Ouais, j'ai la foi. Mais écoute, là, il y a eu la rumeur Ultraman. On va en parler tout à l'heure, mais voilà quoi. McLovin, allez, tiens. Je te passe ça et tu me dis ce que t'en penses. D'accord ? Puisqu'apparemment, tu ne l'as pas vu. Mais les autres, ça fait la troisième fois d'affilée qu'ils vont se le mater. Je vais rentrer dans vos têtes en mode marketing. Attends, j'enlève ton commentaire. Hop, et je le remets. C'est moi ou dans la musique, il y a un petit côté tin, 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 Man of Steel, hein ? Hein, il y a un petit côté Man of Steel, hein ? T'as vu ou pas ? Est-ce que t'as senti le côté un peu Junkie XL, Hans Zimmer ? Ça fait très Snyder dans le sens où c'est d'habitude, bon, c'est une chanson, elle a été ralentie, elle a été chantée d'une manière, tu sais, une voix de femme seule. C'est très Snyderien. Je dis rien. Snyder, rien. Ferme ta gueule. Ouais, on dirait un Daft Punk là. Ouais, il y a un petit côté dildo aussi. Pas dildo, hein. Je sais que toi, Nick Poole, tu aimes le dildo. Mais il y a un petit côté dildo dans la voix de la gamine. Hein ? Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça serait bien un jour un live sur tout ce qui est jeune. Oh, mais les gars, non. Moi, c'est très simple, je fais le jeûne intermittent, déjà pour nettoyer les organes, ça fait du bien. Donc, je fais sur 16 heures. Pendant 16 heures, je ne mange pas, et pendant 8 heures, ben, je fais mes 3 repas dans les 8 heures qui me sont imparties. Donc voilà, bon, l'avantage, c'est que pendant le jeûne intermittent, si tu veux optimiser, ben là, tu enlèves les glucides, tu manges propre. L'avantage, c'est que voilà, tu peux manger à peu près ce que tu veux. À peu près. Moi, maintenant, je ne mange pas ce que je veux parce que je suis dans un programme d'hypertrophie. Donc, c'est beaucoup de protéines. Là, je vais me taper une côte de bœuf d'un kilo quasiment. Là, je me suis fait plaisir. J'ai sorti le barbecue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était journée barbecue à la baraque. Donc voilà quoi. Donc, je vais vous montrer des photos de mon jardin. Enfin, je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà. Pareil, je fais le jeûne intermittent aussi. Ben, tu vois, Andréa, c'est bien. Et puis j'optimise avec de la prise de protéines et je bois de l'eau à l'hydrogène. Regarde le nuage qui va apparaître. Regarde, petit abricot, il y a un nuage qui va apparaître. Hop, je bois des nuages. Regardez comment c'est beau. Alors, je suis dans le turfu, les mecs. Tu dois voir le nuage ou pas ? Donc voilà, on hydrogénise l'eau et puis voilà quoi.
Non, j'ai pas vu Dune 2 parce que je suis en train de regarder Dune 1. Sache-le, petit abricot. Voilà. Cap, à ton avis sur Thibaut Inchep qui a répondu sur X, je mange du riz, du poulet depuis 15 ans. Ouais, mais en fait, mais lui, c'était un maigrichon à la base. Donc, riz poulet, pour en termes de glucides, l'avantage du riz, c'est qu'il n'y a pas de gluten. Et le poulet, voilà, ça, c'est le combo riz poulet brocoli, c'est le combo ultime. Quand tu fais de la prise de masse, voilà, ça, c'est le combo ultime. Moi, je ne mets pas le riz. Moi, c'est brocoli poulet. J'enlève toute forme de glucides. Je ne mange pas de riz, je ne mange pas de pâtes. Je mange très rarement du pain. J'ai du pain sans gluten en plus, moi, tu vois. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, j'essaye qu'au moins sur les 7 jours, je mange des glucides que sur 2-3 jours. Tous les autres jours, pas de glucides. Donc voilà. Où tu l'achètes, l'eau à l'hydrogène? Mais en fait, c'est la... Moi, j'achète la gourde. Tu captes? Voilà. Donc, ouais, mais le quinoa, c'est pas bon pour l'estomac. Tout ce qui est graines et tout, on n'a pas des mâchoires de vache. On n'a pas des grosses mâchoires, donc on n'est pas fait pour manger des graines. Moi, j'adore le boulgour, par contre. Il faut acheter, tu tapes hein, gourde à hydrogène sur Internet et tu vas la trouver. Moi, j'adore. Hein. Dans mes 30 ans, il n'y en a plus. C'est top. Top. Teams. On va le futur. Ben ouais. À un moment, je les ai. Les Nike Mag. Et puis ça, c'est des Nike Mag. C'est pas des chinoiseries. C'est les vraies, celles-là. Bon, elles s'autolassent pas toutes seules. Mais voilà. Toc, toc, toc. La vie de Thibaut, c'est Disco Lies de Moby. Non, oh, vous exagérez. Il est pas loin de chez moi. Il est à Albi. C'est pas très, très loin de chez moi, Albi. Le jeune Thibaut. Avec sa Juju Fit Cats. Bon pour le cerveau, ah ouais, t'hydrogéné et tout. James Gunn est quand même mature quand il veut. Le film de Super, sa femme, le kit pour un mec plus beau, on est loin du happy end. Non, moi, je... Jusqu'à présent, il a fait un home run. Il a fait un sans faute dans le casting, pour moi. Le casting est vraiment cohérent, très intéressant et peu coûteux. C'est à peu près que des acteurs de série. Il y a des acteurs de films aussi qui sont jeunes, qui ont encore tout à prouver. Donc, moi, je trouve qu'il a fait un super casting. J'avais peur par rapport, vous savez, au symbole. Le fait qu'il utilisait la version rouge et jaune du symbole, ben pour moi, voilà, ça annule toutes les craintes. Par contre, l'histoire d'Ultraman, là, ça le fait pas. C'est le premier couac. Si vraiment il y a Ultraman dans le premier film Superman, on va avoir un problème. Parce que pour moi, Ultraman... D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo d'OTH où il vous a fait une story origine d'Ultraman. Ça m'évitera de la faire, c'est très bien. Allez voir sa vidéo sur le sujet. Il a bien résumé... les apparitions, les origines d'Ultraman. Pour moi, ça, il y a deux défauts. Le premier défaut, c'est qu'il y en a marre de voir un antagoniste soit cloné, soit tiré de la culture kryptonienne. Soit... Là, le fait que Luthor nous sorte Ultraman, on est sur Superman 4, quoi. On est sur Nuclear Man de Gene Hackman dans Superman 4, en fait. Ça m'insupporte. C'est trop tôt. Et surtout, en faisant ça, on s'enlève deux arcs narratifs qui, pour moi, dans le lore d'ici, sont hyper importants. Le premier arc narratif, c'est Crisis. Les Crisis, c'est-à-dire que Ultraman vient d'une terre parallèle, donc tu,
tu t'enlèves une hypothétique crisis, alors pas forcément crisis on Infinite Earth. J'ai bien aimé sur le plan scénaristique ce qu'ils ont fait avec le dessin animé là, il n'y a pas longtemps. Par contre, les dessins à la Archer, là, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Fallait pas faire ça. Et ils ont utilisé justement Ultraman et le syndicat du crime. Parce que c'est ça aussi qui est l'autre arc narratif, c'est le syndicat du crime. Ça pourrait être des antagonistes sérieux de la Justice League. Par exemple, si tu fais un film Justice League, ça pourrait faire des antagonistes sérieux. Même si ce n'est pas les antagonistes principaux, ils pourraient faire partie d'une espèce de... Voilà. Donc, tu t'enlèves énormément, pour moi, tu t'enlèves énormément d'arc narratif en l'utilisant comme ça, comme super méchant du premier film. Pour moi, c'est non. Voilà. Pour moi, ça serait le premier couac de Gunn si c'était le cas. J'espère que non. Il a plus ou moins démenti, mais il n'a pas vraiment démenti, donc les gens extrapolent. Donc, Loïs a un grand front. Ça tombe bien, j'ai une grosse tub. Comme ça, je peux la bifler. Il y a de la place. Tu vois ? Très joli. Cap Corren Sweat, il a pris de la masse comme Cavill ou comme Reeves ? Ben, je l'ai vu récemment. Ça... Alors, s'il a pris de la masse, ça a dégonflé. Là, sur les photos qu'on a vues récemment de lui avec une casquette dans un truc, j'espère qu'il va nous regonfler tout ça parce que là, c'est léger. Non, alors déjà, il faut comprendre que on n'aura jamais un effet Cavill, vraiment, vraiment, parce que Corren Sweat, il a une génétique, il a un squelette beaucoup plus élancé que celui de Cavill. C'est-à-dire que Corren Sweat, il est très grand. Il a la taille de Christopher Reeves, je crois. Je crois même qu'il est plus grand que Christopher Reeves. Il est très, très grand. Donc, de ce fait, je pense que c'est le plus grand Superman qu'on ait eu. Donc, il a l'air d'avoir des os longs. Donc, forcément, au niveau de la musculature, on n'aura pas quelque chose de bulk comme Cavill, tu vois. Pour moi, ouais. Ça ne sera pas tout à fait pareil, mais voilà, il faut qu'il prenne un peu plus. Cap, tu le sens comment le Gunverse d'ici ? Il est smart. James Gunn est très, très smart. J'ai relu le comic The Authority, c'est vraiment bon. Hein. C'est prenant. C'est rare quand un comic... Vous voyez, par exemple, là, j'ai récupéré Dawn of Superman, hein, je l'ai là. Je mets du temps à le lire. The Authority, t'as envie de tourner chaque page, quoi. C'est vraiment captivant. Donc, le fait qu'il ait pris ce biais-là, on est quand même... Il est smart. Il est très smart. Là, je lui reconnais son habileté. Il est habile. Il a, si tu veux... Il fait en sorte de contenter. Il a vu que la fandom d'ici était shattered. Comment on dit shattered en... Putain, j'aime pas quand je fais mon enculé de Vandame, là. Je sais plus les mots en français, c'est parce qu'il est tard, là. Shattered, elle est... éclatée. Déchirée. Et donc, du coup, il fait en sorte de plaire un peu à tout le monde. Donc ça... voilà. Cap, il faut pas qu'il nous mette un muscle suit trop visible façon série. Non, façon cinéma. Corren Sweat a rien pris du tout. Il a la même génétique que Pattinson. Oh si, il a pris, frérot. Il a pris énormément. T'es fou. Rien que sa tête, tu vois, la doublée de volume, on dirait même pas la même personne. Cap, tu paries combien sur le slip ou pas slip ? Je ne vois pas comment James Gunn va se passer du slip. Ça serait une surprise qu'il ne mette pas le slip. Vraiment. Qu'il n'utilise pas ça pour un running gag à un moment donné, quoi. Tu vois, c'est... voilà. Mais Aya, Lidl, Clash, le frérot David. De quoi ? J'ai pas compris l'inside joke. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Ah, il n'y a plus de batterie. Hydrogénise. Ouais. Éclaté. Le logo, plus je le vois, plus je le trouve. Ah ouais, moi, ça y est, je l'ai adopté.
Je l'ai adopté. C'est toujours pas mon logo préféré, mais je l'ai adopté. Je l'ai adopté sur t-shirt, ça rentre très très bien. Le mulet, c'est sûr, mais il n'y aura pas de mulet, arrêtez vos conneries. C'est pareil, le mulet, ça servira à quoi? Franchement, ça servira à quoi de lui mettre un mulet? Alors que ils ont bien dit hein, que tout ce qui est tout sera accurate, comics, jeux vidéo, tout sera comment te dire, tout sera congruent et cohérent et tout ça. Donc voilà, dans les comics, il n'a pas le mulet, je vois pas pourquoi il mettrait le mulet. Et surtout, pareil, le mulet, il a une symbolique, c'est quand il revient d'entre les morts qu'il a le mulet. Donc voilà. Le slip sur le fil à linge comme Aquaman. Ouais, pourquoi pas. Cap, aucune inside joke. Je rebondis sur le fait que Lidl trouve Corin Sweat maigre comme Pattinson. Ah ben non, ben non. Non, non, il a pris. Oh les gars, vous pouvez pas dire, il a pas pris le gars. Il est. Mais sur la dernière photo, j'ai un peu eu peur. Avec sa casquette. Après, ça arrive. Hein. Surtout que bon, il a fait de la gonflette, donc ça dégonfle. Ça dégonfle assez rapidement. Donc voilà, il faut remettre des... De toute façon, il s'est fait piquer, donc ça va revenir. Et sa petite ligue, elle est dans le casting, mais il pourrait apparaître en pour générique, idem pour Supergirl, non? Je pense qu'on va... Même Supergirl, hein, on risque de la croiser. Peut-être qu'elle ne sera pas en costume, elle sera habillée en Lida Danvers, là, en train de se balader tranquille, tu vois. Peut-être qu'on... De toute façon, ils l'ont casté avant le film Superman. Donc, c'est qu'elle sera dans le film. Supergirl sera dans le film. Peut-être qu'elle y sera juste en mode civil, mais elle sera là. Voilà. Quoi. Cap, tu penses quoi de la série unique en muscu? J'ai pas vu. Cap, film 2h30, 2h... Ouais, 2h30. Faut faire un truc efficace. Pas trop long mais efficace. Faut faire un truc efficace. Ouais, pour moi c'est on est là-dessus quoi. Ouais, comme Black Cat dans Spider-Man, elle était Felicia Hardy. Ouais, c'est ça. Bonsoir Red Blazer et bonsoir le chat. Hey hey Kate. Bon, McLovin, je t'ai repassé le Schmilblick, t'as rien dit. Ça répond à ta question. McLovin m'a posé ça. Et s'il faut, il est parti, il n'a toujours pas vu, tu vois. Donc, voilà. Bonsoir le 4. Bonsoir. Ben oui, bonsoir. Je ne fais pas long, les gars. Hein. Demain, j'ai un stage. Enfin, j'anime un stage, là, depuis aujourd'hui. Voilà. Corin Sweat n'a que 510K sur Instagram. Il avait fermé son Instagram pendant un moment. D'ailleurs, je crois qu'il a vidé. Bon, voilà. Et ce troll de Rémi avec son docteur Connors qui n'est jamais apparu en lézard dans sa trilogie, c'est vrai. Mais bon, voilà, Ultraman, pour moi, mauvaise bonne idée. Cap, Cuba Gooding Jr., soirée concombre Didi, c'est chaud, on a les images. Oh putain. Mais tu vois, c'est... Moi, je suis surpris à moitié parce que quand tu es dans l'industrie du disque, tu entends ces choses-là. Mais en fait, c'est que pendant des années, ces beuveries à la fois d'alcool et de sexe, ça n'a jamais été indexé négativement. Ça faisait partie du show business. Tu captes ? C'est aujourd'hui, avec les sensibilités de chacun... qui ont changé, les sensibilités ont changé. Donc aujourd'hui, forcément, la fenêtre d'Overton a été ouverte, comme on dit. Et ce qu'il faisait il y a une vingtaine d'années, c'est ça le problème quand tu as beaucoup d'argent et que tu as accès à tout. Tes désirs sont de plus en plus compliqués à assouvir. Donc tu montes un peu crescendo dans l'absurdité, la déviance et tout ce qui s'en va.
Les mecs, ils en ont marre de jouer au golf, bah, ils font des chasses à l'homme, quoi, tu vois. Ça part en couille, les riches. Hein. Donc, ils ont mangé aussi. Et pas que des... Ouais, apparemment, Justin Bieber, il a mangé dans le cul depuis Didi. Et ce genre de choses. Bon, bah, écoute, c'est le showbiz, frérot, c'est le satanisme. Je vous l'explique depuis des années, hein, ce truc-là. Je vous explique depuis des années, ça part en sucette. De combien sera le pire et le bon box-office de ce Superman selon toi? Je pense qu'il faut qu'on arrête de réfléchir en termes de box-office. J'en ai parlé récemment. On n'est plus à l'ère du box-office. On n'est plus du tout à ça. Surtout que les gros box-office de super-héros ont largement chuté et le prix du cinéma a augmenté. Donc, un milliard aujourd'hui, ça vaut un 500 000 dans les années, au début des années 2000, quoi, tu vois. Ou un 700 000, on va dire plutôt. Tu vois, c'est pas vraiment. Après, c'est le premier film d'un lore. Donc, tous les gens qui vont estimer qu'en dessous de 1 milliard ou de 800 millions, c'est un flop, qu'ils aillent tous se faire enculer, en fait. Il faut se rappeler de ce qu'avait fait Iron Man, qui était le début du lore du MCU. Je pense qu'on était dans les ordres de 500 000 ou 600 000. Quoi. On était entre 400 et 600 000 dollars. Millions. Donc, tu ne peux pas faire un milliard avec le premier film. Donc, il ne faudra pas juger ce film sur son box-office. Il faudra le juger sur sa qualité, les mecs. Et sur sa capacité à déclencher un DCU pérenne et prospère. Au moins sur 10 ans. C'est là-dessus qu'il va falloir juger le film. Si vous commencez à juger le film sur les entrées qui font, c'est pas une bonne idée. Parce qu'il peut faire un milliard. Regarde Aquaman, il a fait un milliard. Et derrière, ils nous font de la merde. Donc, oui, mais non, en fait. Voilà. Mais non. Ultraman, très mauvaise idée. Ouais, c'est ça. Exactement, on est tout à fait d'accord. Je suis 100% d'accord avec toi. Ça brûle une cartouche pour le syndicat du crime. Et puis un clone du héros, genre mettre bon, Bizarro, je suis d'accord. Si tu dois faire un clone, ça doit être Bizarro. Déjà. Et surtout, ça te bouffe un crisis à un moment donné. Tu vas expliquer comment. Il y a aussi un Ultraman sur une autre Terre. Ah, sur l'autre Terre, c'est Ultraman qui est le Superman, ou je sais pas. Tu vois, non, c'est trop capillotracté après. Ça grille trop de... Voilà. Ça bon, c'est trop. C'est trop. Ultraman, c'est trop tôt. Cap a raison, sur le web, il y a une shitstorm sur un geek qui a retouché le boule d'une fille dans Fallout. Non, mais voilà, c'est n'importe quoi. On vit dans le grand n'importe quoi. Vous vous rappelez du gars qui avait mis le feu à sa chambre? Genre sa mère avait « Eh, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas net !»« Si, je suis net. » Vous vous rappelez de lui? Bon, j'avais bien rigolé quand j'avais vu la vidéo. J'ai dit « Il y a vraiment des teubés sur cette terre. » Mais de là à lui faire porter la flamme olympique, écoute-moi bien, Macron. Tu pars en couille, Manu. Ça va plus, là, l'idiocratie. Là. C'est des fausses bonnes idées, ça. Faut arrêter. Faut pas rester là, monsieur. C'était du jamais vu à l'époque, pour ainsi dire. Ouais. Non, mais moi, tu vois, je suis plus pour ce qu'il faudrait faire. C'est vraiment un film, il faut qu'il soit hyper quali. Il faut que, même s'il rentre dans le cadre d'un lore, il faudrait qu'il existe par lui-même, le film. Tout seul. Parce que tu vois, par exemple, la trilogie de Snyder, elle existe par elle-même. Elle n'existe pas. Si tu enlèves tout le reste du DCU, ça n'affecte pas la trilogie. Dans la compréhension. Ou... C'est dommage qu'on n'ait pas eu la cut de notre cher David Ayer, mais bon. Et oui. Non, mais ça, entre ça et Yana Kamura, joli, la FP Marc, c'est qui?
La photo de profil, c'est ça, FP ? Je ne sais pas de quoi tu parles, mon Alexis de Prato. Donc oui, revenons à nos moutons. Voilà, on referme la... Vous avez vu, hein ? En 20 minutes, je vous ai fait ce que les gens font en 3 heures. Ah, ça ne sert à rien de parler 3 heures. On a vu le logo, ouais, l'officialisation. Bon, on a une grosse quéquette, on est content. Hein, voilà. Moi, ce que je voulais discuter, ouais, voilà, c'est le TGS. Donc, on a rencontré sur le TGS, alors vous en ai un peu parlé, Hieray Ediciones. Literatura gotica, terror, horror, comic, animación y todos esos. Muy bien. Donc, j'ai des potes, parce qu'on ne voyait pas Jorge quand il me parlait. J'ai fait un live TikTok au moment où il est arrivé, en fait. Donc, les gens qui étaient sur TikTok ont vu l'entrevue, entre guillemets, de la maison d'édition espagnole. Et le gars, on aurait dit Pablo Longoria, quoi. Magnifique. Je fermais les yeux. Je suis un éditeur espagnol. Avant, il était président de l'Olympique de Marseille. Alors, moi, quand j'entends l'accent espagnol, déjà, je voyage dans ma tête. Donc, voilà. Donc, je vais vous partager. C'est pour être, pour ceux qui parlent espagnol, peut-être pour vous, ça pourrait vous intéresser. Les éditions, donc, hop, sont ici. Voilà, Hieray Ediciones. Bon, ouais, c'est en espagnol. Le catalogo. Donc, le catalogue. Il va arriver. Hop. Voilà. Alors, lui, il nous a présenté un magazine, donc un comics avec plusieurs histoires, parce que ça ressemblait énormément à nous, ce qu'on avait fait en termes de mythologie. Donc, c'était vraiment beau. Graphiquement, il y a de tout. Il y a vraiment du comics, du manga. Voilà, ça ressemble plus à du manga, vous voyez. Mais c'est vraiment sympa ce qu'ils font dans cette maison d'édition. J'aime bien. Voilà, donc il se pourrait qu'à l'avenir, voilà, eux, ils font de la traduction et ils font aussi de la distribution pour des œuvres qui viennent de l'étranger. Donc, si un jour on doit faire traduire en espagnol, eh bien, voilà, ça sera certainement avec Jorge. Il attend de voir le produit fini. On est en train de terminer. Vous n'êtes pas prêts pour ce comics, les gens. Je pense que vous êtes pas prêts du tout, même. Vous êtes très, très loin d'être prêts. Même moi, je mange des gifles. Littéralement, des gifles. Je vais vous montrer juste une planche, mais je mange une gifle à chaque fois que Nasser nous envoie. Alors, hop, Charlie Brown. Les gens ne sont pas prêts. Hop, je vais aller au boss. Est-ce qu'il a mis là? Ah ouais. Et je vais mettre en grand. Hop. Je vais la vendre par téléphone. Mais... Gardez-moi cette planche de bâtard. Je sais pas si c'est un peu flou, mais... Oh, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, vous ne méritez pas ce niveau. Ah, c'est un peu flou. Là. Vous n'êtes pas prêt, je vous le dis, mais dans de petits abricots, vous n'êtes pas prêt. Et on a aussi un développeur de jeux vidéo qui est passé. Donc voilà, je ne sais pas s'il nous regarde, Johannes. On lui fait un coucou. Il a précommandé le comics. Donc maintenant, si vous voulez précommander le comics, Bande d'Enculux, il faut aller sur le site de la maison d'édition directement. cteredition.com. Ah merde, vous voyez pas. Je vais repartager. Hop. Et voilà, vous allez directement ici. Vous allez dans boutique. Et vous appuyez. Clac. Il y aura bientôt en ligne la version en pré-vente aussi, la version numérique. Donc voilà, donc faut compter 15 euros plus 5 euros de frais de port. Planète Superman, Geekology Comics.
Et voilà. Hein, vous allez commander directement sur le site de la maison d'édition. Tout est là, tout est beau. On est bien, 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 on est bien. Donc voilà, hein, ça a été très, très prometteur. Alors comme je vous disais, c'est un petit TGS. Vraiment beaucoup plus petit que celui de Montpellier, de Toulouse. Voilà, on a bon espoir. Donc pour les gens qui ont précommandé, que vous receviez le comics courant juillet. Comme ça, vous partez à la plage avec. C'est bien, c'est une bonne idée. Et pour les gens qui veulent l'acheter en matériel, on veut dire, c'est les gens qui veulent venir se le faire dédicacer en convention, parce que là, du coup, on va faire beaucoup de conventions. Les gens qui veulent se le faire dédicacer en convention, ça ne sera pas avant novembre. Voilà. Donc voilà, ce sera pour la première convention du TGS de Toulouse où on les aura sur place au stand à vendre de la main à la main. Et après, vous, bien évidemment, vous pouvez le commander sur le site et on vous l'envoie par courrier. Voilà, donc c'est 15€ plus 5€ de frais de port. Il faut compter en fonction de vous trouvez. Si vous êtes à l'étranger, c'est un peu plus. Un peu plus près des étoiles, un jardin de lumière et d'argent. Ah, il est 2h30, vous m'avez pas dit, bande d'enculux. C'est l'heure du bibi. Oh, c'est trop bon. Pour ceux qui n'arrivent pas à avaler leur whey, vous prenez la Ayo Live Cookie Flavor. C'est sa goût au Oreo cookie. J'ai l'impression d'être Martian Manhunter. Je suis le limier martien. ouais, je vais essayer. On va essayer de tous les faire. L'année prochaine, je vais être sur les routes de France. D'ailleurs, Jorge m'a parlé d'un imprimeur espagnol et italien. Il faudrait que je regarde combien ça coûte. En Italie ou en Espagne, parce qu'a priori, quand je lui ai dit le prix que je payais l'impression en France, il a tourné de l'œil. Il a fait « cogno ». Donc voilà. Extrait gratuit, ouais, vous pouvez l'avoir quand vous cliquez sur le sneak peek. Vous pouvez avoir… Alors, ce n'est pas un extrait, c'est, on va dire, un trailer comics. C'est l'histoire vue des yeux de Nora. Parce que Nora est dans le comics, bien évidemment. La planche que je vous ai montrée, c'est Efkan Kurnaz qui débarque. Comment je kiffe. Alors, hop, ça, c'est bon. La tête d'Efkan quand il arrive sur son cheval. Oh, c'est violent. Regardez ça. C'est violent ou pas? Barbaros. Ah, il y a du lourd. Hein. Il y a du très très lourd. Nora fait un live Pérou cette semaine. Tout à fait. Les momies. Ça remplace un dessert, les mecs. Ça y est, on y est là. On finit le chapitre. Et à la fin du chapitre, on est déjà sur les phases. Alors, les gens ont répondu, ça y est, parce qu'on leur a envoyé un email en disant, voilà, vous avez demandé votre contribution. Donc, les gens ont fait un... ont déjà demandé. Et là, justement, dans le combat avec Barbaros, à la fin de ce chapitre, on va commencer à voir des gens qui ont contribué. On va voir vos têtes. L'avantage, c'est que c'est Nasser qui va vous dessiner. Et de ce fait, voilà, vous allez vraiment avoir une version comics de vous. Ça ne sera pas une réplique exacte de votre visage, ça sera une version comixée. Comixée, Takashimita, Korokonu Kosumo.
Nadashi, tu yasei, kisikiya, okosei, inishimita. Bon, les gens, il reste 5 minutes, hein, vous avez des questions? Oh, on essaiera de faire des lives dans la semaine avec des thèmes, hein, toujours pareil, on vous éduque sur Superman. On veut voir le jardin. Le jardin. Ah ouais, attends. Attends, frérot. Parce que pour faire ça, comment je vais faire pour passer les photos du téléphone à l'écran? Ou alors je vous montre les photos directement sur mon téléphone. Ça peut le faire aussi. Alors attendez, hop, j'enlève les photos de ma teub. Voilà. C'est pas vrai, il n'y a pas des photos de ma teub. Commence pas, petit abricot. Hop. Hop, je sais pas si vous voulez voir. Hop, ça c'est ma terrasse. Vous voyez, petit slip. C'est beau aujourd'hui. Ça, c'est ma maison. Vue de la terrasse, ça, c'est l'intérieur, c'est le salon. Hop. Voilà. Je vais voir comme ça. C'est mieux. C'est trop beau. Hein, non, le truc le plus intéressant que vous allez voir. Ça, c'est le patio qui va de ma chambre jusqu'à l'autre partie de la maison. Voilà. T'as vu, j'ai mis la petite balancelle en mode Emmanuel. Tu vois, quand je veux faire des films de boules. non, c'est ce que je voulais vous montrer le plus important. Le plus important, c'est ça. Ami végan. Oh, regardez la côte de bœuf comme elle a abusé. Elle était juste pour moi. Regarde l'épaisseur de du machin. Je l'ai éclaté, frère. Hop, 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 hop. Regarde ce que de chez moi, mais tu vois que des. Il n'y a que des champs derrière. C'est la petite maison dans la prairie, frère. Et voilà, hein, vous aviez vu l'intérieur et pas l'extérieur. Là, on a repeindu la petite cabane. On va le mettre dans le jardin derrière pour la petite. La petite cabane, la petite maison dans la prairie. Ça, c'est la façade. Chez moi. Oh, regarde ça, frère. Ça, c'est ce que je vois de ma fenêtre. Dun, dun, dun. C'est Walnut Grove, t'as vu ou quoi? Dun, 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 dun. T'as faim? Vas-y, viens, frérot. Il reste encore, hein, je peux faire cuire. Ah ouais, ça, c'est mon poulailler. Regarde, j'ai des poules. Hey, Nick Poule, regarde, c'est pour toi. J'ai une maison pour toi. Si tu viens, je peux t'héberger. Ça, c'est l'arrière de la maison. Vous avez vu le devant. Là, petit toboggan, petit, tu vois, pour les gamins. Ils sont contents. Hop. Et bien sûr... le trampoline. Je te dis pas le trampo, frérot. Je te dis pas. Ça saute toute la journée. Et puis c'est tout, hein. Je pense que je vous ai tout montré. Ça, c'est la façade de la maison. Ça, c'est le devant. Donc aujourd'hui, j'ai monté le barbecue et à quoi il ressemble quand il est fermé. L'appareil du crime, il y a un fumoir et tout, frère. Je vais te faire des briskets à l'américaine, frère. Je vais te faire des ribs. Tu vas prendre l'os comme ça, tu vas te foutre dans le cul tellement c'est bon. Fais gaffe que Harriet, ouais, mais je l'ai déjà vu avec son gros cul là, au village. Ah, en fait, ouais, voilà. Lidl m'a percé. Je ne vis plus en France, je suis au Texas. Ah là 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 là. Pied en plaie, oui, t'as. Non, c'est tout est plein pied, frère.
Tout est plein pied. Il y a la domotique dans la maison. C'est la maison de Tony Stark. Elle parle. J'ai branché le truc d'Amazon et je fais Alexa. Merde, elle va entendre. Là. Quand je dis Alexa, est-ce que j'ai des notifications ? Elle me fait bonjour, Captain. J'adore. Elle m'appelle Captain. Bonjour, Captain. Et genre, je dis Alexa, genre, attends, je vais me lever, je fais Alexa, ouvre les volets. Elle va ouvrir tous les volets de la maison. C'est pas merveilleux. Il y a l'aspirateur et tout automatique. Là, tu sais, les petits robots, là. Alors, les chats, le chat et le chien, ils adorent. Hein. L'aspirateur, c'est une dinguerie. Tu sais, en plus, le truc, en même temps qu'il aspire, il passe la serpillière. Moi, j'ai regardé ma femme, j'ai dit, j'ai plus besoin de toi, tu peux dégager, hein, c'est bon. Hein. En plus, je viens de, sur Alexa, je viens de lui coller ChatGPT. Donc, le niveau d'intelligence d'Alexa a pris un cap international. Elle est juste incroyable. Elle allume la télé, elle éteint la télé. Je dis, Alexa, éteint la télé, elle éteint la télé. Je te jure, j'ai plus besoin de gonzesse, quoi. Voilà. Ça donne sacrément envie. Ah, mais merci, poto. Écoute, hein. Quand il y a des opportunités, il faut savoir sauter dessus. Après, c'est, je vous le dis, les gars, c'est au milieu de nulle part. Je vis dans un lieu dit au milieu d'un hameau. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est un hameau. C'est un hameau, il y a une mairie, une église. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a rien. Un hameau, il n'y a rien. Il y a juste des endroits où tu habites, quoi. Il doit y avoir allez, une quinzaine de maisons max. C'est un truc de ouf. Tout est à une demi-heure. Je veux aller à Orange, j'ai une demi-heure à me taper. La salle de muscu est à 15 minutes en voiture. Et la salle de muscu, c'est à Decazeville, c'est une dinguerie. J'allais à Basic Fit à Toulouse, je devais me battre pour aller sur une machine, quoi. Les gens étaient 5 par machine. C'était plein et il y avait 5 personnes par machine. Tu voulais t'entraîner, c'était le bordel. Surtout que moi, je respecte mes temps de repos. Je fais 3 minutes de temps de repos entre chaque série. Donc, j'ai vraiment besoin de 3 minutes, pas plus, pas moins. Donc, quand tu as 5 personnes, c'est compliqué. Et là, dans le basic, déjà, le Basic Fit de Decazeville, il est. C'est un Gold Gym, le truc. Il y a même le truc avec les cordes, les pneus, tellement c'est grand. Il y a une partie juste pour le CrossFit. Il y a, et là, on n'est pas 5 par machine. On est 5 dans tout le Basic Fit. C'est-à-dire que. Et en plus, tu as. Par exo, si on décide, on est des dingues, d'être 3 à faire du développé couché, c'est pas grave. Il y a 3 bancs de développé couché. Tu veux faire des machines, tu veux aller à la machine à squat, il y a 2 machines à squat. Tu veux aller à la machine leg curl, tu as 3 machines leg curl. Pour 5 personnes, et sur les 5 personnes, tu as 3 vieux de plus de 60 ans en fait. Je te jure, frérot. Mais non, je viens de dire que je suis à Decazeville, André. Enfin, je suis à côté. Un village à côté de Decazeville. En Aveyron. En Aveyron. C'est vraiment la campagne. Vraiment, vraiment. C'est le trou du cul du monde. Il n'y a rien. Quand tu es dans ma maison, tu as l'impression que tu es au centre-ville de Los Angeles. Quand tu es à l'intérieur de ma maison. Quand tu sors, ben, tu t'attends à voir Harriet Olson à tout moment. Ou des Amérindiens qui débarquent. Ouais. Mais c'est toujours vers Toulouse, c'est à 1h40 de Toulouse, tu vois, c'est pas très très loin non plus. Quand j'ai besoin d'aller sur Toulouse, bon, ben, un coup de voiture, c'est parti. J'ai juste tout rallongé de 1h30, quoi. Pour quand je vais aller à ma maison à la mer, ben, c'est 1h30 de plus. Voir le beau-frère, tout ça, là-bas, c'est 1h30 de plus. Là, je dois aller voir mon associé, mon siège, vous savez, il est à Puy-Laurent. Mais avant, pour aller à Puy-Laurent, je mettais 1 heure, maintenant, je mets 2 heures. Donc voilà, mais c'est la tranquillité. Hein. Puis j'aime bien mon nouveau petit studio, vous aimez pas ? Oui ou pas ? Vous voyez pas tout, mais... Attendez, je vais essayer de monter la cam pour que vous voyez plus haut. Rien, ça monte. Hein. Là-haut, il y a marqué Back to the Future en néon. Ça, vous le voyez pas quand vous êtes à la cam. Donc voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a deux quoi, il y a deux quoi. Hop. Descendre un petit peu ici. Voilà. Là, on est cadré. Là, on est cadré. Voilà. 30 minutes, à peu près la même distance que Smallville, la ferme des Kent. Fait comme Clark, faut courir. Ah ouais, je vais courir. Je vais courir en mode. Ouais. Donc, voilà la jeunesse. Hein. Rien de plus, hein, le déménagement. Voilà, là, ça y est, on est installé.
J'ai même installé le home cinéma. C'est-à-dire que, et c'est fou, hein. Mais maintenant que j'ai le home cinéma, je peux plus écouter la télé. En fait, le son de la télé, c'est pourri. Non, ils nous ont bien niqué, les télés, hein, avec le son. Parce qu'une fois que tu mets le 5.1, c'est une dinguerie, le son. Moi, en fait, j'achetais plus de 5.1 à cause des fils. Et là, j'en ai trouvé un tout en Bluetooth. Donc, c'est la paix. T'es à combien du kilomètre du viaduc de Millau et de Rodez ? Je suis à 40 minutes de Rodez. Et le viaduc de Millau, c'est un peu plus loin, donc à une heure à peu près. Quand je suis allé à Montpellier, je suis passé par là. C'est beau le viaduc de Millau. Quand tu vas là-bas, frérot, t'as l'impression que t'es sur une autre planète. T'as l'impression que t'es dans le turfu, au milieu des vaches. T'as une espèce de viaduc, t'as une structure là, c'est... Je sais pas si je peux vous le trouver là sur Internet, mais... Ah ouais, c'est très très violent. Viaduc de Millau. Akashimita, Koroko no Kosumo. Course du viaduc de Millau. Ah ouais, ils font des courses et tout là-dessus. Hop. Ouais, c'est bon. J'en ai marre d'accepter des cookies tout le temps, putain. Hop. C'est ça le viaduc de Millau. Très chelou. Hop. Il y a une invasion extraterrestre. Mandarin, qu'est-ce que tu racontes? Voilà, c'est ça. C'est une très belle structure. Très, très belle structure. C'est le turfu. Baltimore. Les ponts s'effondrent, putain. Il manque plus qu'un beau gros molosse avec un tel jardin. Ben, je l'ai, mon molosse. Tu la connais pas? Je vais te la montrer, ma molosse. Attends, je vais aller la chercher carrément. J'arrive. Oh oui, c'est toi mon molosse. Grosse fifi à son papa, ça. Hein? Ouf. Hop là. Et là voilà, Sunshine, calme-toi, calme. Oh oui, ma fifi. Voilà, c'est Sunshine. Dis bonjour, Sunshine. Dis bonjour. Elle parle, comme dans Men in Black. Vas-y, parle. Tu es un carlin, tu dois parler. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Mais oui, c'est un carlin. Un carlin tout noir. Hein, Sunshine? Hein? Il est bon le nom? Je lui ai filé l'os de la côte de bœuf. Elle est dessus depuis 22 heures à peu près. Elle a rien lâché. T'es grosse, ma fille. Hein, t'es grosse. Tu vas vomir? Si tu me vomis dessus, déjà, t'as la gueule écrasée. Je te fous le museau derrière. Hein, ma vie, fille? Sunshine, allez, file. File, on va manger ton os. T'as le chat qui est en train de manger ton os. Vas-y. Ah ouais. Et ton chat, il se casse. Non, elle est là. Pendant que j'ai pris Sunshine, elle a sauté sur l'os. Elles vont se battre là bientôt. Bon, mais elle s'adore, elle. Hein. Elle se mange le beignet toute la journée. C'est trop rigolo. Je dis, mais vous êtes lesbienne ou quoi? Vous êtes des... Parce que vous êtes un chat et un chien, déjà, c'est bizarre. Mais la question, c'est est-ce que vous êtes lesbienne? Parce que là, c'est chaud un peu. Quoi. C'est très, très chaud. D'ailleurs, est-ce que je crois que je les ai prises en flagrant délit une fois. De mangeage de beignets, je dois avoir ça sur une photo quelque part. À quelque part avant le TGS. Akashimita. Oroko no Kosumo. Akashimita. Oroko no Kosumo.
Ça, c'est Ginette et Georgette. C'est les copines de Nick Poul. C'est les poules. Ah ouais, je les ai là. Ah, c'est pas mignon. Et ça se fait des papouilles. Hein. Bande de lesbiennes. Trans chat, trans chien. Mais qui vous dit que je suis un chien? Ah là là, tu voulais les chiens de Men in Black, tout à fait. En fait, moi, je voulais un vrai carlin. Enfin, un vrai carlin, c'est un vrai carlin, c'est une pure race. Hein. Mais je voulais, comme dans les films, quoi. Tu sais, avec le museau noir, la peau fauve un peu. Et quand on l'a vue, elle est toute petite, toute noire, elle était trop cute. On a fait, non, t'es obligé, tu la prends. Elle est grande. La dernière fois que je l'ai vue, c'était un chiot qui pissait dans la chambre. Tu te rappelles? Elle s'était mise derrière, elle avait commencé à pisser et à chier, putain. J'adore, moi, les miens, je peux pas les prendre dans les bras car il fait 75 kilos. Ah ouais, bah ouais, forcément. Tu peux le prendre, mais c'est lui qui te prend après à la fin. t'es pas bien. Voilà, voilà. Bon, mais on sait. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions, des choses, des trucs à discuter? On fera là, c'était un live nocturne viteuf, un petit after d'une heure. Tranquillou, entre nous, ça faisait longtemps. Hein, donc voilà quoi. Moi, quelle heure il est là? Il est 3 heures. Ouais, faudrait que je dorme jusqu'à demain là. Faudrait que je pionce un petit peu par rapport à mon stage de demain. Bon, quoi qu'en même temps, demain c'est examen. Donc pendant 2 heures. Les carlins, ils ont pas trop de. Non, ça va. On l'a, pour pas qu'ils aient de problèmes de santé, ben nous déjà on lui a fait les opérations. Donc déjà, ça c'est cool, mais non, elle a, bon, ça fait 2 ans que je l'ai maintenant. Non, elle est cool. Elle est cool, la petite toutoune. Bon, allez, je vous repasse une dernière fois le petit trailer, parce que j'aime bien le regarder, moi aussi. Et on se dit bonne nuit, on va se laisser là-dessus. Hop, je vais juste enlever les commentaires. T'as vu la tranche du fer d'un soir avec la perruque et le costume de Witcher pour remplacer Cavill? Non, j'ai pas vu, frérot. J'ai pas vu. C'est la symbologie. Symbologie. J'apprends les symboles aux gens. Et demain, ils ont un examen. Tu es prêt pour cette année un gros reboot d'un manga de notre enfance, Kinkuman, alias Muscleman. Ah ouais. Hey, Mr. Muscleman, il avait une bouche comme ça. Mr. Muscleman. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous repasse le petit trailer et on se dit bonne nuit. Ciao, ciao.